Bonjour à tous, et on va chercher le pain. On va mettre la chaussure en chauffe-eau. Aujourd'hui ça caille grave. C'est la première fois que j'utilise une GoPro. Ça a pas l'air d'être génial. Si on met la ceinture de sécurité, bienvenue. Vous êtes comme à la maison. Et aujourd'hui, j'ai oublié de faire le pain. Alors, il fait moins un dehors. On va essayer d'aller chercher tout ça pour mettre tout à jour avec tout le monde et du pain frais. C'est la première fois que je le fais pas depuis un mois et demi. Mais hier, j'ai bossé 12 heures d'affilée, donc j'ai pas trop le temps ce matin d'aller le faire. Donc on va aller chercher à la boulangerie. Je connais une boulangerie bio à Moiran qui est vraiment excellente. Donc on y va. Et puis, je vous tiens au courant des prochaines choses. Aujourd'hui, là, le brouillard est important, ce qui veut dire que s'il y a du brouillard en bas, eh bien il y a une mer de nuages un peu plus haut et le soleil au-dessus. Bon. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas trop le temps avec ma femme, puisqu'il faut absolument qu'on remette en état le poulailler. La chance que j'ai, c'est que je suis pas frileux, donc je me suis mis en 10 secondes, j'ai mis un short, des vieilles chaussures, et puis voilà. Bon, c'est assez marrant de parler de GoPro d'ailleurs, parce que je vois pas mal de gens avec des chaînes YouTube qui sont absolument géniales. Et qui font ce genre de vidéos, et je trouve ça vraiment marrant de partager ça avec vous, parce que finalement c'est la vie de tous les jours, et la vie de tous les jours, à force de rester enfermé chez soi, branché sur des petits ordinateurs, on la partage plus du tout. Et avant il y avait les journaux de bord, des choses comme ça, mais là finalement enfin, ça n'existe plus trop. Donc là on va s'y mettre avec des moyens un peu plus technologiques. Voilà, là j'arrive sur la place de la mairie, en espérant que la boulangerie soit ouverte. D'habitude c'est des gros bosseurs les boulangers, donc voilà. Et je vais aller chercher ça tout de suite, je me gare, on en parle dans 10 secondes. A tout de suite. Là, les pieds sont ici, démarrage. Ah, on chante par moins un, c'est des limites. Allez, on va voir ce que ça donne. Ça va être chaud bouillant à faire. Ouais, il fait toujours moins 1, 18h01. Nous sommes le 16 ou le 17 novembre de l'année 2001 et il est tombé 30 cm de neige il y a deux jours. On va commencer à battre des records. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Maintenant, j'ai le feu vert du chirurgien, donc ce qui veut dire que je peux refaire pas mal de montagnes. Je peux de nouveau encadrer les trekks. Et il y a des chances que dans quelques mois, je quitte mon boulot actuel pour reprendre à 100% ma passion d'accompagnateur en montagne. Donc ça s'annonce plutôt bien, je pense. Voilà, il y a des moments où il est temps de reprendre sa passion et de laisser un boulot qui est certes magnifiquement intéressant, mais qui ne fait pas faire beaucoup de montagne. Et il était temps de changer un petit peu.